Voir quoi? Ça n'a plus d'importance, il est parti. Qui est parti? Bon, j'ai faim, on va manger. Tu as raison, moi aussi j'ai faim. Dis pas, on va rester encore combien de temps ici? Un jour ou deux, ça dépend. Non, ça dépend pas. Je veux tout savoir. Pourquoi on n'a plus de maison et pourquoi maman est fâchée après nous? Ah non, non, pas après nous, Mathieu. C'est pas après nous qu'elle est fâchée, maman. C'est juste après moi. Alors pourquoi elle m'a laissé avec toi? Mais ta maman t'aime, fiston. N'oublie pas ça. Elle n'avait pas le choix. Puis elle savait très bien que moi, je n'aurais jamais supporté de ne plus te voir. Pourquoi plus me voir? Tu veux plus habiter avec maman? J'en sais rien. Tu sais, c'est compliqué. Tu avais promis de tout me dire. Toi, tu n'avais rien remarqué à la maison ces derniers temps? Mais non, j'en sais rien, moi! Est-ce que toi et maman, vous êtes en bagarre? Mes copains disent que leurs parents s'engueulent tout le temps, mais toi et maman, jamais entendu vous engueuler! Et puis elle est où maintenant? Pourquoi on l'a pas attendue à la maison? Tu sais, la maison, c'était devenu un petit peu trop petit pour nous trois. Ta maman étouffait, elle avait besoin de prendre l'air, de voir d'autres personnes. Elle voulait vivre à sa façon, quoi. Ta maman est une grande chanteuse, tu sais ça, Mathieu? Dis pas, tu penses qu'elle est partie avec Bernard? Elle l'aimait bien, tu sais. Elle pensait que c'était comme un frère pour elle. Parfois, elle se tenait par la main, il pensait que je voyais pas, mais moi, je voyais tout. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Mathieu? Bernard est un ami de la famille. Et comme ils travaillent ensemble, c'est normal qu'il y ait un petit peu de complicité entre eux. Ah, si tu le dis. J'avais peur qu'elle le prenne comme mari. Je veux pas de papa, moi, je veux que toi. Eh bien, ça tombe bien parce que tu n'as qu'un papa et tu n'auras qu'un papa.